Aujourd'hui, nous sommes ravis parce que c'est le premier jour de notre troisième édition du festival Tourner la plage. Donc, ça veut dire qu'on a tenu le coup pendant trois fois. On espère bien perdurer. Et le premier jour est réservé à un collectif qui a écrit sur Gaza, un ouvrage qui s'appelle Requiem pour Gaza. Donc, comme l'année dernière, trois lectures par jour. Une première à 11h30 devant Poivre d'Âne, une deuxième à 16h devant la médiathèque et une troisième à 19h à l'angle de la rue Foch et de la rue des Frères Blanchard, juste à côté donc, de notre local, la boutique. Et on y sera donc tout à l'heure, ce soir, demain, samedi et dimanche pour le troisième et dernier jour. Voilà, on espère vous y voir nombreux. Ils détruisent. Benjamin Netanyahou et ses amis des partis alignés, du Likoud, du Chasse, du judaïsme unifié, de la Torah, de la bannière de Torah et du foyer juif. Ils remplissent leur mission, ils blessent, ils tuent, ils estropient, ils assassinent, ils tuent les femmes enceintes et les enfants. Ainsi, ils accomplissent leur mission avec zèle et ferveur. Ils tuent les enfants dans le ventre de leur mère. Ils tuent les enfants sur la peau de leur terre. Dans cruauté, il y a cru, chair sanglante, plaies à vif, rêve éviscéré, espoir écartelé. Voilà longtemps que j'habite un balcon suspendu au-dessus de la ville. L'ombre de Baudelaire s'y promène, une fleur à l'oreille. N'as-tu qu'un fusil caché sous ton lit et pour argument que du vent? Je n'ai que 8 ans, pas toutes mes dents. Dehors, cogne dedans. Je n'ai pas le temps, je n'ai que l'instant. Les enfants jouent à la guerre, ils ne connaissent que ça. Ils ne connaissent que votre violence. Et un mur comme horizon, et votre armée d'occupation comme compagnie. Maîtresse de nos vies devenue si vide. Il leur est si difficile d'imaginer votre opulence et votre haine. Combien encore de morts faut-il pour que le monde civilisé se fusse? Il n'y a pas en Palestine de cailloux assez gros. Il n'y a pas en Palestine de cailloux assez pointus pour que les lance-pierres soient efficaces contre votre machine de guerre. Qu'avez-vous fait de cette terre ?